tonight is the premiere for Ballet Jazz de Montreal's Vanishing Melodies. I do feel a little bit nervous. I have butterflies in my stomach, but it's definitely the good type of nerves. Honestly, I'm feeling very blessed to be able to share art and dance with the audience again. I'm gonna head down, do a little bit of warming up, and then the curtain will rise. So yeah, it's time to share what we've been working on for the past few months. Do you feel a little proud? Ce soir de première officielle, je dirais que le plus grand souhait, c'est que les interprètes, les danseurs, concepteurs, conceptrices aussi, j'espère qu'ils sortent de cette expérience-là transformés positivement et surtout enrichis dans leur démarche d'artiste. Never used to run. J'ai eu beaucoup de frissons pendant le show, tellement que j'ai trouvé ça bon alors. Chaque tableau est beau, puis t'emmène dans un univers différent. Tellement émouvant, c'était magique, sincèrement. J'avoue que j'ai été extrêmement ému à la fin, c'est sûr qu'on ne pouvait pas ne pas verser une petite larme, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que nos 18 derniers mois nous sont renvoyés en pleine face, et puis j'ai réappris à vivre ce soir, avec des émotions. C'était absolument formidable. Une fois créé, une fois présenté, ce spectacle-là a une vie en elle-même qui nous dépasse. Donc Vanishing Melody va partir en tournée, va voyager à travers le monde, et puis au cours des années, ça va évoluer. Puis les chorégraphes vont même peut-être revenir, puis on va faire des petits changements, puis des transitions. Puis il y a des danseurs qui vont décider de partir, puis d'autres qui vont venir. Et du coup, cette pièce, elle est vraiment vivante. Et ça, j'aime. You know, I guess when you do music stuff, you kind of put it on the world, and it just doesn't belong to you no more in a way. And I just try to appreciate the moment with everybody. You know what I mean? But it just don't belong to me no more once I throw it out there. The premiere is done. I'm so excited to be part of this amazing collective of artists and individuals. Sometimes you wanna go back. We have a lot of shows to come, and so it's nice to feel set in it. Yeah. So excited to move forward. On se retrouver là, ça fait tellement du bien. Je pense qu'il y a une excitation, des papillons dans le ventre, peut-être un peu d'appréhension. Et puis surtout, je pense une reconnaissance de pouvoir créer un spectacle live et le présenter après une telle crise. C'est pour ça qu'on fait ce travail, c'est pour ces moments-là.